Échanger depuis un téléphone n'a jamais été aussi simple. Regardez comment j'utilise cette stratégie puissante pour gagner de l'argent en déplacement, allumer le vidéo et échanger avec moi. Bonjour à tous, chers amis. Je suis sûre que la plupart d'entre vous regardent cette vidéo depuis un téléphone portable. Vous ne saviez probablement pas comment utiliser votre appareil le plus efficacement possible pour qu'il vous rapporte en outre de l'argent. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous apprendrez quelle stratégie efficace et simple peut être utilisée même sur un appareil mobile sans utiliser d'ordinateur portable ou du bureau. Vous pouvez échanger en utilisant cette stratégie sur la route, au travail, à tout moment qui vous convient. Vous devez comprendre que l'écran d'affichage d'un appareil mobile est sensiblement plus petit et par conséquent contient beaucoup moins d'informations. Nous ne pouvons donc pas utiliser ici d'indicateurs complexes car vous risquez fort de vous y perdre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie composée de seulement deux lignes. Vous parlez des paramètres de ces lignes. Et essayons de gagner quelques 1000 dollars aujourd'hui. Nous avons donc le premier signal en route. Nous allons maintenant entendre que nos lignes rouges et vertes se croisent. Je vais vous dire quel est l'essence de la stratégie et comment l'utiliser après avoir regardé ce vidéo. Nous attendons donc que la bougie se ferme. La bougie se ferme. Est entièrement formé et les deux lignes se croisent pour former un signal pour une diminution. Un signal pour une diminution puisque la ligne verte plonge maintenant sous la rouge. Regardons maintenant l'indicateur lui-même. Allons dans la section des indicateurs, recherchons l'indicateur de Moving Average ici, le voici. Double-clic dessus, ajouter deux lignes. Nous avons la première ligne avec ses paramètres, n'oubliez pas et sauvegardez-les, c'est très important. Dans les styles chez moi, c'est comme ça. Eh bien, en conséquence, la deuxième ligne avec les paramètres est 56, notre type est nécessairement EMA et les styles sont comme ça. Après 10 secondes, un accord est conclu, très probablement notre prochaine bougie sera formée en rouge et cela nous permettra de gagner 460 dollars. Puisque nous avons fait une prévision sur une diminution et puisque notre prévision basée sur nos analyses s'est avérée correcte, nous gagnons plus 92% sur la somme de notre pari. Tout est très simple ici. Comme on le voit, nous n'avons pas une intersection énorme. On voit que la dernière intersection c'était il y a très long et elle s'est terminée en plus. Ou plutôt l'accord selon l'intersection s'est fermé en plus et voici la prochaine intersection que nous avons attrapée et celle-ci nous a également apporté du profit. Il y aura quelques autres points principaux qu'il est important de considérer afin de gagner de l'argent. Sinon, vous risquez de vous tromper et de perdre votre dépôt. Nous parlons de ces règles maintenant. Alors mes amis, je prendrai probablement le risque de conclure un accord pour une augmentation. On voit que la ligne verte est au-dessus de la ligne rouge. Une intersection s'est formée, c'est notre signal, un signal d'achat. Peut-être que ce signal a déjà fonctionné, mais j'entre maintenant après un tel retour en arrière, c'est-à-dire qu'une bougie rouge se fond. Nous revenons à ce niveau. Autrement dit, vous pouvez même utiliser, je pense, maintenant une ligne horizontale pour tracer le niveau auquel nous sommes revenus. Donc, voici à quoi ressemble un peu plus bas. En fait, il se forme à cause du corps de cette dernière bougie. Et par conséquent, nous assistons maintenant à un si petit rebond. C'est donc la première règle que je mentionnerai. Excusez-moi, que nous avons déjà appliquée en principe. C'est très simple. Nous devons généralement surveiller la situation sur le marché. Si nous avons un grand nombre d'intersections sur le marché où il n'est pas clair quel type de signaux nous recevons, trouvons une telle paire de devises maintenant. Prenons un bon exemple. Nous avons un mouvement latéral sur le marché. Ici, nous voyons au moins deux intersections qui n'ont pas l'air très jolies. Il est possible que nous puissions gagner de l'argent à l'aide de ces signaux.
Mais cela ne vaut clairement pas la peine lorsque la situation du marché est telle qu'il y a un mouvement latéral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de tendance sur le marché. Il n'y a qu'un plat là-bas et bien sûr, nous ne changeons pas, car les signaux des mouvements latéraux de cet indicateur sont absolument invalides pour nous. Disons que, comme ici, nous devons trouver une tendance claire ascendante ou descendante qui évolue vers le contraire, c'est-à-dire qu'il y a eu des mouvements descendants, on voit clairement que la tendance commence à changer, des acheteurs apparaissent et une fois la ligne franchie, nous avons un signal qui confirme le changement de tendance. Ensuite, nous entrons dans un accord dans les situations où le marché se retourne réellement, pas quand nous sommes dans un mouvement latéral. Et donc, mes amis, nous attendons que la bougie se forme. Il nous reste donc 4, 3, 2 secondes avant que la bougie se forme. Voici une nouvelle bougie apparaît, nous ouvrons l'accord. Comment régler ce time? Tout est très simple. On va dans les paramètres. Ici, on allume le timer. Il s'agit d'un timer pour une bougie. Nous entrons dans un accord avec vous seulement après la formation de la bougie. Sinon, vous risquez de conclure un accord à l'avance et par exemple, la bougie reculera et l'inversion ne se produira pas du tout. Ensuite, vous entrez sur le marché avec un faux signal, cela qui arrive bien sûr souvent. Par conséquent, pour éviter telle de situation d'erreur ridicule, assurez-vous de régler le timer et entrer strictement après la formation de la bougie. Ainsi, en analysant ce marché, nous voyons que nous avons eu à la fois un bon mouvement ascendant et un bon mouvement descendant. Nous avons une intersection qui a fonctionné. Deux intersections ont bien fonctionné, troisième intersection a très bien fonctionné également. Et bien maintenant, quelques petites conneries nous arrivent. Alors j'ouvre deux accords supplémentaires afin de couvrir notre perte. Mais bien sûr cela n'aurait pas dû arriver, il est fort probable que maintenant nous ayons juste une petite correction et nous continuerons à se diriger vers le haut. Si nous analysons le marché pour détecter la présence d'un certain niveau. Alors, en général, nous pouvons dire avec certitude que, par exemple, nous sommes encore loin de ce niveau horizontal, donc nous ne contredisons pas l'analyse technique. Assurez-vous de faire attention à l'endroit où vous ouvrez un accord. Si, après tout, notre marché était déjà à ce niveau important vert que nous avons noté, ce niveau, alors, je n'entrerai probablement pas dans un accord, car à partir de ce niveau, nous risquons d'obtenir une correction qui ruinera tout l'accord pour nous. Ceci malgré le fait que nous ayons même eu une intersection, c'est comme un signal d'achat. Nous évaluons toujours judicieusement la situation du marché et veillons à ce qu'il n'y ait pas de contradiction car grâce à cette méthode, nous gagnons de l'argent. Il reste un dernier point sur lequel je dois vous avertir pour que vous puissiez définitivement gagner de l'argent avec un degré de probabilité plus élevé que tout le monde. Alors les amis, passons à l'accord. Voici déjà une intersection confirmée à 100%. Maintenant, je vais vous donner un conseil incroyablement important. Je l'ai laissé à la toute fin pour ceux qui regardent le vidéo. Ce conseil vous permettra d'augmenter à 100% le win rate de vos accords en utilisant cette stratégie. Faites attention au temps et au temps d'une bougie avec laquelle j'échange actuellement. Pour ceux qui n'y comprennent pas, je vais vous expliquer. J'ai maintenant le temps de la bougie 30 secondes. Cela signifie qu'en 30 secondes, une bougie rouge ouverte comme celle-ci se forme. Et le temps de mon accord est maintenant de 2 minutes. Alors les amis, si vous souhaitez vraiment augmenter votre win rate en utilisant cette stratégie, alors gardez à l'esprit que le temps de votre accord doit être au moins 3 à 5 fois plus long que le temps de la bougie. Cela s'explique très simplement. Le signal d'un changement de tendance qui se produit à l'aide de ces indicateurs n'est pas instantané. Autrement dit, nous pouvons rencontrer une sorte de correction, une sorte de recul et subir une perte à cause de cela. Mais disons que maintenant nous voyons des intersections étonnantes et très intéressantes, ce qui nous dit qu'à long terme, c'est-à-dire dans le cadre de ce que nous comportons à l'écran, le marché baissera de toute façon. Et afin d'éliminer les risques que nous encourons lors de l'échange des accords à court terme, comme un retour en arrière sous la forme d'une sorte de fluctuation du marché, nous augmentons simplement le temps d'un accord.
Ainsi, j'échange avec un temps d'accord élevé par rapport au temps d'une bougie. Vous augmentez considérablement vos chances de gagner de l'argent en utilisant cette stratégie. Néanmoins, nous clôturons un autre accord réussi. Je suis heureuse qu'aujourd'hui, nous ayons littéralement gagné un peu moins de 2 000 $ en seulement 10 à 15 minutes. Je vais continuer à échanger en utilisant cette stratégie sur ma chaîne de Telegram. Par conséquent, si vous souhaitez répéter l'accord que j'effectue, suivez dès maintenant le lien de la description de ce vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt!